Alors, les contres, pourquoi est-ce que la fin ne justifierait-elle pas les moyens? Allez, je vais entendre vos arguments. Ah, Monsieur Bugeaud! Bon après-midi! Bon après-midi, pas encore 9 h. C'est quand même gentil de passer nous voir. Ce que je vois, je suis pas tout seul à être en retard. Mauvaise réponse! L'autre moitié de la classe est à côté, on se prépare pour le débat. Étienne, la fin justifie les moyens, pour ou contre? Admettons que ce « si éloquent-là » veut dire « contre ». Tu peux rester avec nous. J'espère que tu n'auras rien contre le fait d'aller t'asseoir. À moins que je te laisse ma place. Je serais curieux d'entendre la fin de ton argumentation. Ton « était tellement parlant. Non, ça va. Je sais pas si la fin du prof, c'est de boucher Étienne, mais il prend les moyens pour, en tout cas. Je vous donne mon billet avant. C'est quoi, là? Ton chien a mangé ton réveil? Pauvre Étienne. Quand même. Ses petites sœurs l'ont gardé réveillé toute la nuit. Hey, Jeff! J'ai appris que notre équipe avait gagné le tournoi. Félicitations. Ça n'a pas été facile vu que tu n'étais pas là, mais je me suis débrouillé. J'ai trouvé quelqu'un d'autre sur qui les fouler en attendant. Comment va l'épaule? C'est bizarre. Moins je te vois, mieux ça va. Tu recommences à jouer quand? C'est le gars sur qui je me défoule en attendant qui veut savoir ça. Bientôt. En tout cas, content de savoir que tu t'es pas trop forcé pour compter des buts pendant le tournoi. Ouais, c'est le gars sur qui tu te défoules qui m'a dit ça. J'ai compté 2 buts, qu'est-ce que tu veux de plus? Une chance que t'en as pas compté 3, sinon j'aurais manqué ton 25e de la saison. Je sais pas si les gars ont trouvé comment souligner ça, mais moi j'ai plusieurs idées. Ouais, un shampoing aux œufs, une haie d'honneur de serviette mouillée. Désolé de te décevoir, mais je joue pas ce soir. Ah, ben laissez, JF. On va quand même se préparer au cas où tu changerais d'idée comme par hasard. Si t'as du temps à perdre. Ah, arrête là, t'es pas sérieux? J'ai bien le droit de prendre un match de repos. Ouais. C'est sûr que c'est ton genre d'aller t'évacher sur ton sofa le soir où tu peux compter ton 25e but. Je compterai mon 25e but quand je compterai mon 25e but. Ce soir, je suis fatigué. J'ai-tu le droit? Pour que JF manque une partie de hockey, il est pas juste fatigué, il est sur le bord de tomber dans le coma. Bon, j'avoue qu'au début, c'était drôle, mais il lâchait plus. Étienne savait plus où se mettre. Plus ça riait, plus Gilbert en mettait. Et je te jure, il était déchaîné. Mais bon, comme il est en impro, là, je suis certaine qu'Étienne a trouvé quelque chose à répondre à Gilbert pour lui clouer le bec. Mais faut croire que c'est plus difficile de boucher un prof que de boucher un adversaire d'impro. Quoi, Étienne s'est laissé faire? Même qu'il faisait semblant de trouver ça drôle. Il faisait assez pitié. Le monde devait se sentir mal pour lui. Bon, pourvu que ce soit drôle, hein, il n'y a plus personne qui se demande si ce qu'il se dit est correct. Il a quand même pas fait ça pour être méchant. Ah! Parce que tu penses qu'il s'est arrêté là? Mais non, il y avait ben trop de fun. Ah, Monsieur Bugeaud, votre travail sur la liberté, à moins que vous ayez pris la liberté de pas le faire. Non, il est fait. C'est ton propre, ça. Un fer à repasser avec ça? Un manuscrit, comme dans le bon vieux temps. Très pittoresque, merci. De rien. C'est bien méchant, ça. Mais non, c'est drôle. Tout le monde riait. Oh, mais en plus, j'ai pas pensé qu'Étienne avait peut-être pas d'ordinateur chez lui. Ça se pourrait, ils sont pas très riches chez lui. Hein? Hey, en passant, même si j'étais pas là ce matin, moi aussi, il faut que je le rende ce devoir-là. Hein? Mais heureusement, Gilbert pourra rien dire sur l'écriture. C'est fait à l'ordinateur. Comment tu le trouves? T'as pas à t'inquiéter, Shandy. Gilbert se choisit une victime par étape, puis on dirait bien que la place est prise, hein? Oh, Vétienne. C'est vrai qu'il fait ça, Gilbert, hein? C'est bizarre, ça m'a jamais dérangé. Tant que sa victime faisait pas partie de mes amis. Hey, il est là! Hey, salut, Étienne. Puis, ça va? Non, j'ai dangereusement faim. T'es belle à croquer, toi, aujourd'hui. Ça a l'air de très bien aller, toi. J'ai habité assez longtemps avec Étienne pour savoir qu'il va pas bien du tout. Écoute, Étienne, j'ai raconté à Shandy ce qui s'est passé entre Gilbert et toi. Puis Shandy pense comme moi. Gilbert est vraiment allé trop loin ce coup-ci. C'était juste un mauvais moment à passer.
Ah, d'ailleurs, la prochaine fois, mauvais moment pour mauvais moment, laisse-moi nom de ta place chez le dentiste. Tu iras au cours, toi. Je t'avertis, mon dentiste fait très mal. Ah, ben, le prof aussi, hein? Je choisis le dentiste. Mais Étienne, tu peux pas faire comme si de rien n'était. Sinon, tu risques de trouver le reste de l'année bien long. C'est vrai, ça. Tu sais, quand Gilbert attrape une victime, là, il lâche plus un vrai pitbull. Laissez-moi trouver le numéro de la fourrière, puis on s'en reparle de ça. T'as peut-être pas le numéro de la fourrière, mais tu connais très bien le numéro de porte de la directrice, par exemple. Ben oui. Me vois-tu? Madame Doucette, Gilbert, il est pas gentil avec moi. Il m'a niaisé devant toute la classe. Non, mais c'est grave ce qu'il a fait. C'est pas un élève, c'est un prof, là. Il a pas le droit de faire ça. Mais je me demande quand même si ce serait pas moins radical d'aller voir le président de classe. C'est parce que c'est lui qui riait le plus fort. Je pense qu'il te reste juste une solution. Va en parler à Gilbert seul à seul. T'appelles ça une solution, toi, la gueule du loup? Non, 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 c'est une très bonne idée, Étienne. Sans public, là, il risque d'être moins baveux. C'est ça ou tu risques de te faire niaiser le reste de l'année? OK, OK, je vais le faire. C'est bizarre, j'ai plus faim tout à coup. Penses-tu qu'on l'a trop poussé? Là, le grand bouchard patine vers moi. Moi, je surveille du coin-là. Puis la dernière seconde, je me penche. Puis là, il passe par-dessus moi. Puis là, moi, je vois des étoiles. Là, le grand gendron vient aider le grand bouchard. Puis si ça, c'est un gars fatigué, je veux pas avoir affaire à lui quand il est en grande forme. Le bataille général, la foule est en train. Hey, Jeff! Content de voir que ta fatigue a disparu comme par magie. Est-ce que ça veut dire que tu vas être bon pour venir à la partie ce soir, ça? Je te l'ai dit que je pouvais pas jouer ce soir. Quoi? T'as l'intention de manquer une partie, toi? C'est la fin du monde aujourd'hui, puis y a personne qui m'a averti. Toi non plus, tu le crois pas, hein? Puis c'est quoi déjà ta raison pour rester chez vous? Ma mère m'a demandé d'attendre le réparateur de laveuse pour elle. Vous avez pas de bétail chez vous? Ou vous faites venir le réparateur juste pour le désennuyer? Ah, crée JF. Si c'est la laveuse de ma mère, c'est la laveuse de ma mère. Oh. Jeff, où tu vas? Est-ce que c'est moi ou est-ce que Jeff est en train de me charrier? En tout cas, Jeff sacrifierait jamais une partie d'hockey pour une laveuse. C'est sûr qu'il y a autre chose. Puis si je te dis qu'il y a autre chose, il y a autre chose. Je pense que je sais quoi. Ben, j'espère que tu vas éclairer ma lanterne parce que moi, je sais pas. Ouais, Jeff est rendu à 24 buts. Puis 25 buts dans le double A, c'est important. Tout le monde a les yeux rivés sur lui puis attend ça, là. Donc, tu penses que Jeff a peur de pas être capable de compter un but? Pas n'importe quel but, son 25e. Les plus costauds peuvent craquer sous la pression à un moment ou à un autre, Constance. Mais là, si c'est ça, il faut faire quelque chose pour l'aider. Laisse, je m'en occupe. Une chance pareille, ça se présente pas deux fois dans une vie. Super. Si je dérange, je peux repasser. Non, 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 non. Viens. Hey, écoute ça. Ma torche haut levée illumine le monde depuis plus de 100 ans. Devine qui parle? Je sais pas. La statue de la liberté elle-même, imagine-toi donc. J'enseigne pas n'importe qui. C'est au jeu tout le long? Ben oui. Gilbert, je voulais te parler. Tu sais, sais-tu qui a écrit ça? Mais tu viens de le dire, la statue de la liberté. Non, 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 je te demande, quel élève d'après toi se prend pour une statue? Il y a que Tania pour avoir l'ego assez gros. Pour penser à se mettre sur un piédestal, voyons. Ah oui, Tania, j'ai hâte de la voir à l'oral. Ma robe antique plissée, telle une tunique royale et divine à la fois, est si ample qu'elle semble vouloir protéger la ville et ses habitants. Ample, mais hein? Avec le physique qu'elle a, elle risque de ressembler plus à Bouddha qu'à la statue de la liberté, d'ailleurs. Hey, Étienne, pas très gentil, ça. Quoi? Qu'est-ce qui t'amène, toi, juste? Rien. Je passais. Salut. Faire tremper ça dans l'eau chaude. Où est-ce que tu veux que je fasse tremper ça? Ben, chez vous. Je peux quand même pas manquer un cours pour ça. Ah, tu t'en vas dans quel cours, Sina? Jeff, ton histoire de laveuse, ça passe pas. Quelle histoire de laveuse? Je m'en fous, j'ai aucun compte à te rendre. Oui, t'en as. Il est pas question que mon coéquipier et beau-frère. J'étais quand même pas pour dire ami.
se fasse niaiser par tout le monde. Parce que ça va finir par se savoir, Jeff. Qu'est-ce qui va finir par se savoir? Que t'es en train de craquer sous la pression. Je suis quoi? Ouais. C'est pas parce que t'es sur la glace que t'es obligé de compter. Si le but a lieu, il y aura lieu. Sinon, tu l'as dit toi-même, il viendra quand il viendra, hein? Mais tu peux pas t'empêcher de jouer éternellement. Tu fais juste repousser le problème. Qu'est-ce que t'essaies de faire, là, Simon? Tu sais très bien que son 25e but a aucun rapport avec le fait qu'il ira pas sur la glace ce soir. Oh non. C'est non! Ni ce soir, ni peut-être demain soir. Ah, puis ça va être quoi demain soir? La sécheuse? Non, mais c'est parce que ça peut être long, hein, avant que ça parte complètement. Hein? Et qu'est-ce qui peut être long avant de partir? Hein? Rien. Hey, je sais pas ce que vous manigancez tous les deux, mais... C'est pas de tes affaires. Bon, ben, on se voit toujours chez nous à 5h30 pour faire nos devoirs. Cool. Hey, tu vas faire tes devoirs avec ma demi plutôt que de venir jouer au hockey. Ouais, puis j'apporte la laveuse de ma mère aussi. C'est encore pire que je pensais. Au lieu que ce soit lui qui la déniaise, c'est elle qui est en train de déteindre sur lui. Oh. Ennuyant. Je suis sûre qu'il y a un mot plus précis qu'ennuyant. Ah, il dit bien ce qu'il y a à dire, ce mot-là, Jeff. C'est parce que ça fait 4 heures que t'es là-dessus. On pourrait peut-être passer à autre chose. Bonne idée. Et si on révisait nos maths? Non, mais c'est parce que moi, je pensais à autre chose. L'anglais, d'abord. Il faut que je réagisse avant qu'il soit trop tard. Jeff, il faut qu'on se parle de gars à gars. Ah, où est-ce qu'il est l'autre? Arrête de niaiser qu'on puisse se parler d'en face. Assieds-toi. Non! Son quoi? Non! Jeff, mon clou! Oh, excuse-moi, ça m'a échappé. Je... Comment son clou? C'est quoi ça, un clou? Un clou? C'est un énorme bouton rouge plein de pus qui fait bien mal, il paraît. Pourquoi... Qui a ça? Merci, Shandy. Tu veux pas venir jouer au hockey parce que t'as un bouton? Bon, je m'excuse encore. On se voit toujours chez nous après l'école? Ouais, oui. Hey, Jeff! Toi, là, si tu t'en faire, Simon, là, on a quelque chose de bien plus urgent. Étienne s'est dégonflé. Oh non, c'est pas vrai! Ben oui, viens. Chloé est pas là? Ah, oh, mais c'est pas grave, Constance est là, hein? Mais oui, mais c'est parce qu'elle saura peut-être pas quoi faire, une nouvelle au journal. Oui, mais la situation est trop urgente, on peut pas attendre Chloé. Ben, si vous voulez, je peux vous laisser, hein? Non, surtout pas. Écoute, on a une grande faveur à te demander. Oui, c'est parce qu'on veut écrire un article pour dénoncer un prof qui a été vraiment pas correct avec un élève. Ouais, puis on aimerait ça que le journal de l'école le publie. Ben, pas de problème. Écrivez-le, puis apportez-le-moi dès que vous aurez terminé. De toute manière, vous avez le temps. La prochaine édition sort juste dans un mois. Dans un mois? Mais il va être trop tard. Étienne va être devenu le bouc émissaire officiel de Gilbert. Gilbert? C'est lui que vous voulez dénoncer? Mm-hmm. Ben voyons, il est cool comme prof. T'as jamais remarqué que son sport préféré, c'est d'humilier un élève devant le reste de la classe? Ben oui, mais il fait ça pour rire. Comme si au nom de l'humour, on avait le droit de faire du mal à quelqu'un. À ce point-là? Mm-hmm. Ouais, pas question qu'on attende un mois. Mais le journal est déjà imprimé. Pourquoi on glisserait pas une feuille entre les pages? Hein? Ah, super bonne idée! Oh, super cool, merci! J'ai même déjà une idée pour le titre. Ah oui? Oui. Un prof sans morale. Hey, c'est bon ça, surtout que c'est un prof de morale. Ouais, mais moi j'enlèverais le point d'interrogation. Un prof sans morale, point. Ah, ouais, t'as raison. Pourquoi tu prendrais pas la phrase que t'as dite tantôt, là? Attends. Comme quoi l'humour aveugle souvent notre jugement. Ouais, ça ferait une super intro. Ah, ouais, surtout que tu l'as dit encore mieux que moi, je trouve. Redis ça que je l'écris. Mais si on met toutes les trois notre grain de sel, qui va signer l'article? Bonne question. Oh, même que ça me donne une super idée. T'as jamais remarqué que son sport préféré, c'est d'humilier un élève devant le reste de la classe? L'heure de la douce vengeance vient de sonner. J'arrive! Jeff! Je t'attendais, justement. Désolé de te décevoir, mais je viens voir Céline. Ah oui, mais elle vient d'appeler pour dire qu'elle va être pas mal en retard.
Une urgence au journal étudiant a fait dire de pas l'attendre. Journal étudiant? Elle est même pas dans le comité. Je sais, sa raison tient pas debout. Ou, j'aurais plutôt dire, vaut pas un clou. Je vais faire un bout, moi. Non, non, attends-moi, je vais marcher avec toi. J'allais à l'aréna, justement, te voir compter ton prestigieux but. Recommence pas, Simon. Puis surtout, défense de parler de ça au gars de l'équipe. Pour qui tu me prends? J'ai quand même plus de tête qu'un clou. J'aurais jamais pensé qu'un jour, un petit dictionnaire m'aiderait à boucher le grand JF. OK, Simon. Non, mais j'en reviens pas. Un grand gars comme toi qui se fait plaquer sans faire une grimace, t'as peur d'un petit clou sur une fesse. J'ai aucun problème à me présenter sur la patinoire. Bon, ben, il est où le problème? Mon problème, c'est les douches après. Je comprends pas. Je comprends très bien, mais pourquoi je me priverais du plaisir de le laisser me le dire? Comment tu penses que les gars vont réagir s'ils voient ça? Les gars de l'équipe sont civilisés. Personne va rire d'un petit bouton. Même ben gros? Ah, même ben ben gros. Même ben rouge? Même ben ben rouge. Même rempli de pus? Pis ça! Yark! Même sur une fesse? Même sur la fesse de notre capitaine. La preuve que j'avais raison de pas vouloir me présenter là. Parce que toi, tu t'es gêné peut-être quand t'en as eu l'occasion? Quand même, ça serait toi le clou de la soirée. Désolé, je vais partir. Ah, sérieux. Tu vas pas te priver du plaisir de compter ton 25e but parce que c'est sûr que tu vas le compter juste pour pas te faire niaiser par l'équipe? Ben oui. En tout cas, je sais pas si c'est ton clou, mais t'es devenu complètement marteau. Pis, est-ce que j'avais raison ou si j'avais raison? Tu lâches pas, toi, hein? Une chance. Sinon, t'aurais pas changé d'idée, tu l'aurais pas encore compté, ton fameux 25e but. Qu'est-ce qu'on dit à Simon? Fatigant. Ouais, c'est une façon comme une autre de me remercier. En passant, comment va ton clou ce matin? Moins rouillé que les vrais clous que les gars m'ont donné. J'avoue que c'est un beau cadeau que les gars t'ont offert après la partie. Quoi de mieux pour commémorer la soirée? C'est drôle, mais je serais pas surpris d'apprendre que l'idée vient de toi. On peut rien te cacher. Et quand même, je leur avais dit de pas t'apporter ça sous la douche, que ça allait rouiller. Ouais, ouais. Il me semble que tu les as découragés de venir me donner ça à la pire place. À la meilleure place, tu veux dire? Mais quand même, je dois t'accorder ça. T'avais raison. Je pensais que les gars de l'équipe étaient civilisés, mais finalement, ils ont vraiment été chiens avec toi. Mais hein, ils m'ont pas lâché une seconde avec ça. Je suis sûr qu'ils rient encore. Pis, t'es pas mort? Sais-tu pourquoi Céline n'est pas venue au match, finalement? Elle a pas vu le mot que je lui avais laissé ou quoi? Ben, elle avait quelque chose d'autre à faire. Voyons. JF, tu vas pas gâcher ton fun juste parce que ta blonde n'a pas vu compter ton but? Elle aurait pu se forcer. Hey, tu joues, tu comptes, t'es la vedette de la soirée, pis tu trouves quand même le moyen de te plaindre. Il y a peut-être un clou sur une fesse, mais ça y prendrait aussi du plomb dans la tête. Très courageux, les filles, votre article. Oh, hey, merci. Oh, hey, Jeff. Je m'excuse, hein. Bon, je suis vraiment désolée d'avoir manqué ton match, hein. Mais c'est parce que quand j'ai vu ta note chez nous, ben, il me restait à tout retranscrire sur l'ordinateur, puis je pouvais pas laisser tomber Étienne, tu comprends? Ouais, mais moi, tu m'as laissé tomber. Mais là, Jeff. Une chance que ta blonde se sert de sa plume au lieu de ses poings, sinon, on aurait un prof au bar noir ce matin. Écoutez, G aurait dû avoir assez de jugement pour savoir qu'être professeur le mettait dans une position de pouvoir vis-à-vis de E. Mm-hmm. Ah, il y en a un autre. G a beau aimer faire des numéros comiques, la classe n'a pas à se transformer en festival de l'humour où tous les coups sont permis. Et paf! Quoi? C'était quoi le but quand t'as décidé de pas écrire nos noms complets? Tu voulais que personne ne reconnaisse et il y a 24 autres lettres dans l'alphabet? Non, il pense que ça vient d'Étienne. Si au moins t'avais eu le courage de tes convictions, t'aurais pu faire un joli jeu de mots avec le titre. Au lieu de prof sans morale, moi, j'aurais écrit un prof de morale sans morale. Mais oui, mais tout le monde aurait su tout de suite que c'était toi. Arrête, Étienne, tu te cales. Ouais, mais ça aurait été moins hypocrite, tu penses pas? S'en est pas vanté, mais hier midi, il s'est pas gêné pour rire d'une fille de la classe en s'attaquant à son physique, chose que je n'ai jamais fait, soit dit en passant. Ben,
non, lui, il s'attaque juste au mental. Mais sinon, c'est plutôt bien tourné. Un talent que tu m'as caché. Même en lisant tes devoirs, je peux rien soupçonner. C'est parce que c'est pas lui qui l'a écrit. En fait, il était même pas au courant avant de le voir imprimé. Bel essai, Célina. C'est vrai que c'est pas moi. J'aurais jamais eu le courage de faire ça. J'aurais eu bien trop peur que ça soit pire après. C'est pas toi, c'est qui? C'est moi. Et grâce à moi, ce sera plus Étienne, le bouc émissaire de Gilbert, mais moi! Non, mais c'est juste une question de seconde, hein? Le temps qu'il repère mon point faible. C'est moi aussi. Puis moi. Puis moi. Puis moi. J'en reviens pas que Simon soit inculpé aussi. Puis Jeff, en plus, il était fâché contre moi. Mais la face de Gilbert, il savait tellement plus comment réagir. Un peu plus, puis je le consolais tellement il faisait pitié. Ouais. Il faisait exactement la même face qu'Étienne quand il s'est fait boucher. Fait que tant qu'à moi, t'as pitié... Salut les filles, je vous dérange peut-être? Non, non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Vous m'avez impressionné tout à l'heure, vous savez. Boucher, il veut dire? Pourquoi vous l'avez pas signé, votre article, au juste? Il va falloir qu'il tente des pièges pas mal plus subtils que ça s'il veut qu'on échappe des noms. Ben, pour que ce soit pas juste les amis d'Étienne, mais le journal au complet qui prenne position. Ben, bravo. Je vous félicite pour la solidarité. Ceux qui disent que les jeunes sont individualistes peuvent aller se rhabiller. En passant, je pensais pas avoir blessé Étienne hier. Je vais faire attention à ce que je dis dorénavant. Excusez-moi, mais je vous crois pas. Mais voyons, Célina, des excuses, ça se refuse pas. Mais c'est trop facile de venir s'excuser dans un petit local, alors qu'Étienne, lui, il a été humilié devant plein d'élèves. Je peux savoir ce que t'espérais? Autre chose que des fausses excuses, en tout cas. Je vois pas pourquoi les profs seraient pas traités de la même façon que les élèves. Sauf que c'est pas un, mais tous les tableaux de l'école qu'il faudra qu'ils remplissent. Que tu crois ou non en la sincérité de mes excuses, pouvez-vous publier ça dans votre prochaine édition? Oh! Une lettre d'excuse publique? Bon, mais fallait le dire tout de suite. Ça, c'est s'excuser pour vrai. Mais c'est pas une lettre d'excuse, Célina. J'ai jamais prétendu que c'était une lettre d'excuse. Qu'est-ce que c'est? Sa tondeuse est à vendre. Vous trouvez pas que j'ai assez payé? Toute l'école m'appelle G depuis ce matin. Bonne journée, S et C. Célina, tu te rends compte? Ça aurait tellement pu mal finir. T'as pas eu peur, toi? Mais oui, c'est sûr que j'ai eu peur.